Et puis sachez qu'à Mayotte, une autre délégation est également dans le département. Il s'agit de celle du ministère de la Justice qui est dans l'île depuis hier. Trois hauts responsables qui ont rencontré les principaux acteurs du monde judiciaire, de la police et de la gendarmerie, ainsi que des élus. La raison principale de leur déplacement est de présenter la future loi de programmation de la justice qui s'étend sur 5 ans. Je vous propose d'écouter le directeur des affaires criminelles et des grâces. Il est au micro de René Latta. Et à Sadira Zafitzehenno. Il y a en effet des difficultés qui sont spécifiques à ce territoire. Il y a des réponses qui doivent être apportées à différents niveaux, à des niveaux politiques, diplomatiques. Il y a aussi une intervention judiciaire qu'il faut consolider, qu'il faut bien asseoir. Et ce qui est certain, c'est que les magistrats et les fonctionnaires que nous avons rencontrés ne baissent pas les bras, font face, s'adaptent, savent aussi concentrer leurs moyens sur ce qui est essentiel, sur ce qui est important. Et nous sommes là aussi pour leur apporter un soutien et pour voir aussi avec eux comment demain nous pouvons encore davantage les accompagner dans l'exercice de leur mission.